Bonsoir à Jean, c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 21 de notre Let's Play sur Alice Madness Returns. Dans l'épisode précédent, nous avons continué à progresser dans cette maison des poupées qui devient de plus en plus glauque, infernale et moche. Toujours à la recherche de je ne sais plus quoi. En train de tenter de sauver notre santé mentale et le pays des merveilles. Et donc, je vais descendre ce toboggan. Je pense que c'est la fin du jeu, parce que là... Enfin, peut-être pas pour les souvenirs tout, mais on a récupéré 4 salles radula. Et si on a eu la quatrième, je pense que c'est réparti à peu près équitablement dans le niveau. Donc une au début, 2 au milieu et 1 à la fin. Ça me semblerait logique. Donc je pense que là, on approche du bout du jeu. Après, à voir si je me trompe ou pas. Nous allons voir ça. Hop. Je prends un petit raccourci. On continue de descendre. Hop. Oh là. Aïe. C'est un peu galère à diriger. C'est bon. Ah. Un fight. Ok. On va lui en mettre plein la gueule. Allez, tire. Va mourir. Allez, c'est bon. Donc, on a une poupée en face. C'est tout? Non, 2 poupées. Ok, donc pour le prix d'une. Ah! Paf! Ça prend cher ici. Il y en a une qui est bientôt morte. C'est assez efficace les théières en fait sur elle. Et elle va mourir. Allez, mademoiselle, on meurt. Voilà. Ah! Au secours! Je voulais juste récupérer des roses, moi. Il y a des roses qui sont en train de planer là-bas. Ok, un peu de jump.
Hop. Ah! Je suis mauvais. C'est dingue, genre c'est la fin du jeu et je suis toujours aussi nul qu'avant. C'est quand même incroyable. Voilà. Ouf. Donc à ça et ah! On va avoir une cinématique encore. J'ai pu jouer un rôle dans ce désastre, mais je n'ai jamais mis le feu. Les centaures n'existent pas, contrairement au docteur. Je l'ai vu, un étudiant sans envergure. Je me souviens de lui. Cette clé, c'est celle de Lizzie. Aha! Donc on avait bien raison, le tueur c'est Bambi. C'est bon, plus aucun doute. Y a rien. Cassons juste ça pour récupérer un peu de vie ou un peu de dents, même si les dents ne servent plus à rien. Hein. J'arrive pas à être sûr, mais. Non, non, il n'y a plus d'amélioration. C'est bon. Ah, un souvenir. Ça peut être intéressant. Retenez vos larmes pour votre grand-père, mes filles. Il vécut longtemps. Et comme le dit la fable, la mort jamais ne surprend le sage. Car lorsqu'elle se présente, il est déjà prêt à partir. Putain, cette zone est stylée. C'est joli. J'aime beaucoup. Ça fait tellement zone de fin, genre avec le boss final et tout. Bon, il n'y a plus rien ici, hein. Je pense qu'il nous reste 2-3 souvenirs à trouver, c'est tout. Il y a du mob là-bas. Beaucoup de marionnettes. Par contre, toi, tu représentes plus aucun danger pour nous, hein, t'es nul. Concrètement, avec nos armes améliorées au maximum, plus le fait que c'est des ennemis du début. Aïe, putain, je vais dessus. Ils ne peuvent plus rien pour nous. Non! Ah, c'est bon, ça l'a eu. Vas-y, monte ta tête. Ah. C'est bon. C'est chargé en mob ici. Voilà, on les tue facilement avec la théière. On récupère des dents même si c'est plus nécessaire. Là, il y a un souvenir. En plus de notre famille. Donc, ça peut être intéressant de récupérer ça. Parce que là, les souvenirs, en fait, ça fait vraiment. Ça nous dévoile tout, là. Encore au début, c'était. C'était la sœur d'Alice qui fait. Ah, oh, hier, j'ai fumé une pipe, MDR et tout. Mais maintenant, c'est. On a vraiment des infos sur. Un peu plus sur la famille en elle-même. Que leur grand-père est mort. Que potentiellement Bambi a abusé de la sœur d'Alice, de Lizzie. Donc, c'est intéressant de récupérer pour savoir un maximum. Il voulait. Il voulait me faire faire des choses horribles. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais. Bon. On monte. On essaie de se mettre full rose, full vie.
Oh! Dis donc, tu es très grand et très moche. Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin? Insouciante, je vis parmi les prostituées. Mon mentor est un violeur et un marchand de joie. Je suis la complice de celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherchais à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais pu être guéri. Tu aurais pu oublier. Oublier les souvenirs que j'ai de ma famille? Ils sont morts et tu devrais l'être aussi. Vous n'êtes qu'un abominable bâtard. Un meurtrier, un parasite, buveur de sang. Ce que vous avez fait aux enfants, quelle torture! Je fournis des services. Dans cette grande et terrible métropole, il faut assouvir toutes sortes d'appétits. Ma famille, mon esprit, le train infernal! Le train est ton invention, ta parade. J'ai seulement choisi l'heure et l'itinéraire. Le train arrive et ses wagons étincelants. Ses sièges douillets et ses roues de diamants. Vite, mes petits, ne craignez rien, l'homme dont la lune est le mécanicien. J'arrêterai ce train, je l'arrêterai, quoi qu'il en coûte. Ainsi soit-il, tu payeras. Oh! Tu es perdu, et ton esprit ira bientôt rejoindre ton corps. Peut-être... l'a-t-il déjà rejoint? D'accord. Sympa la représentation de Bambi dans le monde des... un pays des merveilles. Ah! Je suis plus folle! Non, je pense que c'est encore un délire. Je suis encore à l'asile, j'imagine. Là, c'est tous les enfants qu'il a probablement tués. Maison de correction de... Houndsditch, docteur Angus Bambi. Je peux pas y aller, faut que je me batte dans la rue. Ok, c'est ici, il faut que j'aille. Et là-bas, il n'y a rien. D'accord. Ah, c'est le métro. On dirait un métro. C'est un métro. Vous n'êtes qu'un pervers dégoûtant. Ces enfants portent leur nom autour du cou comme des animaux. Plus simple qu'un arbre généalogique. Faisant autant, ils sont fiers de leur origine. Vous mentez! Ils ont tout oublié jusqu'à leur identité! Combien d'esprits avez-vous ainsi égarés? Pas assez. Le tien aurait fait ma gloire, mais ce n'est qu'une ruine. Mon travail est fini. Yes, on se libère. Train infernal. Ah, on y est. Ok, ça va être le truc final, ça. Go. Ah, le chapelier, ils sont tous là. Je dois arrêter ce train d'enfer et les forces qui le poussent. Le clou du spectacle, n'est-ce pas, Miss Marteau? D'abord tes recherches, entravées par ta peur des souvenirs. Maintenant ce train, ce n'est jamais l'heure du thé alors? Si ton cerveau déraille, c'est fini. Nous sommes tous fous. Très bonne excuse pour aller faire un tour en théière, mais pas pour tout oublier. Oublier, c'est oublier, sauf quand c'est plus compliqué.
On appelle ça autrement alors. J'aimerais oublier ce que tu as fait. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. Non, les dégâts sont là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça, ou contre moi. Je m'en suis assuré. Tu viens pour ton châtiment. Ah, le bon Bix. On les revoit tous, c'est stylé. J'ai fait quelque chose de mal, mais ma punition ne rendra aucune victime. Le sévice est le crime du fort sur le faible. Certes, les sévices sont insuffisamment punis vu les souffrances qu'ils infligent. Ceux qui assistent à un sévice sans intervenir pour la victime en paient le prix. Tes souffrances excusent ton manque de réaction. Mais tu dois payer pour être témoin de la douleur. C'est classe, on fait des petits allers-retours entre le pays des merveilles, dans le train, de le monde réel, le moment où on délire. Je n'arrive plus trop à suivre ce moment-là, mais le moment où on engueule Bambi, du coup. C'est très classe, j'aime beaucoup. Vous avez floué ça rend bien. Mais je n'ai pas tout oublié. Tu aurais pu être une brave fille. Beaucoup de mes clients cherchent une belle femme sans illusions stupides, sans souvenirs encombrants, ni rêves de prince charmant. Tu n'en as fait qu'à ta tête, t'accrochant désespérément à tes fantaisies. T'es folle, comme ta sœur. N'en parlez pas! Vous n'en savez rien! Ta sœur était taquine. Elle m'a bien provoqué. Elle a eu ce qu'elle méritait, pour finir. Ah, la reine de cœur. Allez-y, jusqu'où ira ce maudit train? Folie et destruction. Tu ne devrais pas poser des questions dont tu connais déjà les réponses. C'est impoli. Tu sais bien que ta sœur ne parlait jamais dans son sommeil. Oh non! Oh, allez-y! Et puis, il n'y a pas de centaure à Londres. Ta survie est notre salut à tous. Ne nous oublie pas! On arrive au bout. Allez, c'est la ligne droite là, la dernière ligne droite. Est-ce qu'on va recroiser le chat aussi? Ah, on dirait la salle des machines. Ah, c'est dommage, je n'ai pas vu tout le monde. J'aurais bien aimé voir la simili tortue, charpentier et tout, genre à la fin. Ok, ça va être un fight contre lui. Le passé a un prix. Est-ce qu'il aime la théière? Ouf! D'accord. Rester loin de cette main. Ah. Bah alors. Je
Allez, il bouffe. Il a bouffé. Je parle pas énormément parce que je me concentre, mais. L'oubli se paye au plus fort. Arrête de monter ton cul avec tes mains. Il me fait des gestes obscènes, arrête. Avec tes vieilles mains là. Faudrait qu'il me droppe un peu de vie là parce que ça commence à devenir un peu critique. Ah. L'épée ne sert à rien. Oui, l'ombrelle me protège de tout. Lutter ne sert à rien. Toi, t'es ma priorité. Mais t'as l'autre loup qui se ramène. Je peux pas me concentrer sur les deux en même temps. Casse-toi, relou. La caméra qui galère un peu. Il continue à me faire des doigts. C'est bon, je vais niquer la main. Merci. Vengeuse idéaliste. Ah, les deux mains maintenant. Pour plus de plaisir. Qu'est-ce qu'il me fait ?
Arrêtez, monsieur. Ah! Absurde pugilat. Tiens, j'ai coupé la langue, moi. Monte ta tête. Putain, je vais dedans, moi. Aïe. Ah, ça c'est pour moi. Vas-y, descends-moi ta langue. Il est mort ? Oh, je l'ai eu. Pas d'indulgence, non. En prison, d'autres détenus vont s'occuper de vous, croyez-moi, et pas par devant. Vraiment ? Une femme hystérique, anciennement internée, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philanthrope réputé, grand Dieu, Alice. Qui va t'écouter, hein? J'ai moi-même du mal à y croire. Vous, vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez puni. Par qui? Par quoi? Pauvre idiote psychotique, ta folie te condamnera. Va-t'en, ta remplaçante va arriver. Ah, on va le tuer. Ah, ok, le monde a l'air d'être redevenu ce qu'il était, plus paisible. Moi je pensais qu'elle allait sortir Glaive Orpala et tuer Bambi, genre le poignarder. Ça m'aurait plus satisfait qu'une mort genre poussée dans le métro. Ah, Lidl, nous ne rentrerons plus. C'est ainsi que veux-tu. Bien peu savent trouver le chemin, et ceux qui le trouvent ne s'en rendent pas compte. Les illusions s'effacent. Seuls les sauvages résistent à la douleur pour prouver leur qualité. Oublier est plus confortable, garder la douleur. Une torture. Mais certaines vérités justifient les souffrances. Le pays des merveilles, amoché, reste dans ton cœur, pour l'instant. Ah, ça se finit comme ça. Ah, là, je suis un peu déçu. Oh, la fin, elle est... Elle est pas ouf. Enfin, le combat contre le boss est stylé, mais bon, je pensais qu'il y a une troisième phase pour le battre et... Je sais pas, même là, ça se termine un peu... Bof. Mais bon, le jeu était quand même vachement cool, hein.
J'ai beaucoup aimé, les graphismes sont encore très corrects, alors que ça fait 7-8 ans que le jeu est sorti. Il est bien fun à jouer, il est sympa, malgré quelques défauts, il y a quelques gameplays qui sont un peu chelous, un peu relous. Genre les trucs des têtes, ou même... c'était quoi l'autre truc? Je crois que c'était quand on était géante, on était un peu... C'était un peu compliqué, enfin c'était un peu... Enfin, c'était un peu mou, on va dire. Il y avait quelques bugs de collision, mais c'est pas non plus le truc le plus dramatique au monde. Mais sinon, en globalité, le jeu est vraiment fun. Il est bien foutu. Aussi, je sais que je vous en avais parlé au début du let's play, mais... Le créateur de Alice est en train de taffer sur une potentielle suite, Alice Asylum. J'attends sa sortie, je participe au financement du jeu, au Patreon. Car le créateur a fait un Patreon, il est sur Twitter, il partage pas mal de news sur le jeu. Je vous mettrai tout ça dans la description, son Twitter, son Patreon et tout. Le jeu a l'air sympa, enfin je suis vraiment hypé en fait par la suite. En plus, je crois qu'il a drop un petit bout de scénario du jeu, donc c'est pas mal. Faut que je regarde les mails qu'il m'envoie. Et sinon, il y a des petites contreparties, il y a plein de trucs sympas en fait. Et donc, si vous êtes intéressé par... Si vous avez joué à Alice Madness Return qui vous a plu, ou que vous avez vu le let's play, ou let's play de quelqu'un d'autre, et que ça vous a plu, et que vous voulez une suite à ce jeu, que moi, personnellement, je voudrais une suite, hein, Alice 3, ça serait pas mal. Eh bien, vous pouvez faire un petit tour au Patreon du gars, ou même à son Twitter. C'est American McGee, normalement. J'espère que je prononce bien. De toute façon, tout sera dans la description. Tout sera même peut-être dans un commentaire, en top commentaire que je mettrai en épinglé. En tout cas, j'ai kiffé le jeu. Et du coup, c'est terminé. Peut-être qu'un jour, on fera Alice 1, même si je sais pas trop, parce qu'il date de 2000. Et je sais pas trop où le trouver, ce qui est à skipper sur PS3, mais je sais pas trop, faut que je m'informe, faut que je me penche là dessus en fait. Donc peut-être un jour un Alice 1 on le fera, peut-être un jour Alice 3 sortira et on le fera, ça serait sûr. En tout cas, c'était un bon jeu. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et ce let's play, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à mettre votre point de vue, votre avis dans les commentaires. C'est très important. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et me suivre sur Twitter. Et quant à moi, je vous laisse là et on se retrouve très vite pour un tout nouveau let's play. À la prochaine.